Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Crux the Big Heist. On continue la mission, la toute première mission, le premier niveau de la mission, je crois qu'on est en mission 13, 14, je sais déjà plus, enfin, de toute façon c'est dans le titre, où on essaie justement, tout simplement, d'arriver à l'ascenseur qui est ici, mais que la map elle est très grande, et j'ai pris le parti de passer par ici, qui est plus ou moins safe et qu'on va essayer de pas trop se latter la gueule, hein. Pour l'instant, on s'en débrouille bien, on est en incognito, on a grugé quelques gardes, tout ça, et on va aller tout doucement, mais sûrement, ici, dans le deuxième hangar, ça va être... Hey, j'avais pas vu. Ça enlève quoi, ça? Ah, ce truc-là. Est-ce que c'est vraiment utile? J'ai envie de dire, on va le faire, puisque de toute façon, on y sera. Et puis, c'est pas mal. Alors, tout le monde va venir là. Parce que le garde va bientôt se repointer ici. Donc, je veux juste voir ça... jusqu'où il voit. Et je sais qu'il verra le trou, de toute façon. Mais est-ce qu'il voit jusque-là? Non. Non, il ne voit pas jusque-là. Donc, il y a lui, punaise. Donc là, il a le dos tourné. Lobkowitz, tu peux y aller. Toi, ben, ouais, tu peux y aller. Parce que lui, s'en va, donc c'est parfait. Alors, le souci, c'est lui qui va voir le trou. Il va aller où? Parce que là, on a des soucis. Si on retourne en arrière, on va se planquer. Je pense qu'on va faire ça. Ça me paraît le plus judicieux. On va tous venir se planquer là. Ça me paraît plus safe. Parce que s'il vient jusque là, ou qu'il vienne là, ou qu'il vienne là, je ne sais pas. Comme il y a l'autre aussi qui va venir ici. Ça, on va juste le contourner pour aller choper les sous. Ah, regardez l'animation du mur qui se détruit. Chou, chou. Donc, on va faire demi-tour tout de suite. Rufus, ouais, Rufus. Allez hop. Tout le monde, on se replie. Juste par mesure de sécurité. Parce que lui, voilà. Ah, et il va là, et il va là. Vous voyez? Comme ça, je suis tranquille. Et je sais... Non, lui, je pense pas qu'il va le voir. Parce qu'il a, il a le camion devant lui. Mais au moins, je suis tranquille. Il les verra jamais ici. Et après, on est tranquille, puisqu'il ne reviendra plus jusqu'au bout du passage. Je ferais mieux de retourner à ma patrouille. Hein. Ah bah, il le dit pas. D'accord. Oh, voilà. Je voulais qu'ils le disent. Tu vas venir... du coup, ici, c'est safe. Tu peux venir jusqu'ici. Tu peux venir jusqu'ici. Oh, oui, oui, on veut voir ça. Et toi aussi. Maintenant... Quoique non, parce qu'il retourne là. Oh là 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 là, je fais des bêtises. Vacht. Vous pouvez retourner là. Ah oui, ce qu'il retourne à son point de... Ouais. Donc j'ai bien fait. Parce que sinon, ce serait fait un peu griller. Ça aurait été dommage. Maintenant. Oh, c'est qui lui? Je savais pas. Bon, il va jusque là, son regard. Donc on peut se planquer vraiment derrière... dans le cul du camion, quoi. Tu peux venir là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas... Non. Toi, non. Là. Le jeu qui me save à ce moment-là. Genre, fais gaffe, tu vas faire une connerie, meuf. Je ne voudrais quand même pas faire une connerie. Oh, je vois les faisceaux qui se pointent dans tous les sens et tout. Je vous jure, hein, c'est stressant comme jeu. Ok. Lui, il a tourné le dos. L'autre, il est loin.
Il est time pour Clio. Clio, tu vas choper les sous. À partir d'ici, j'avais dit que c'était la prochaine étape, c'était d'aller là. Et j'ai pas... Il me faut la clé qu'il a. Donc normalement, c'est à elle d'y aller. Ok. Et elle, elle peut grimper là. Tu vas y aller. Et tu vas te mettre là tout de suite. Le temps que... Ouais, je pense que c'est bon, là. Bah, je sais pas combien de temps elle va mettre. Attendez. Parce que bon... Cheminée de ventilation. Une étroite cheminée qui relie les deux pièces. J'espère qu'elle va être rapide, parce que bon, hein... Toi, tu vas prendre les sous. Et tu vas retourner là. Ça, elle, elle fera le terminal de caméra. Elle va se faire gruger, hein. Merde. Oh non, je vais me faire avoir. Bon, et maintenant ? Ah, elle reste dedans ? Ah non, parce que je l'ai bloqué. Attendez, je sais pas, je suis pas sûre. Je t'ai dit de retourner en arrière, toi ! Non, pas toi ! On y va. Toi. Là. En avant. Ah, je savais pas qu'elle pouvait rester dans le... Ouais, non, tu peux y aller. Ah, ça, c'est trop bien. Tu prends la clé. Tu désactives ça. C'est bon, elle est bien retournée là-bas. Et tu peux retourner là-dedans. Ça, je veux voir si je l'avais vraiment bloquée ou si elle attend d'elle-même. Ah ouais. Ah ouais, ok, bah nickel en fait, c'est super. Tu peux descendre. Ok, ça c'est bon. On a avancé quand même bien. Oh non, j'ai pas... Ah non. Retour au jeu. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, j'ai cliqué là-dessus. Je sais pas ce que j'ai fait. L'objectif maintenant, c'est de traverser et d'aller là. Ah, oh, il y a des sous. Oh, une culotte. Enfin, un slip. Non, c'est une culotte. Il y a des sous à récupérer ici. Bah ouais, il faudrait qu'elle, elle y aille. Elle est assez rapide. Non, elle est pas très rapide, mais lui, on peut le maîtriser. Ouais. Le truc, c'est que pas lui. Donc lui, quand il a le dos tourné, et lui, il est... Lui, on peut le maîtriser. On pourrait l'enfermer, d'ailleurs. Mais bon, on a 4 sprays. Je pourrais l'enfermer. Hein. Carrément, même. Je pourrais carrément l'enfermer. Comme ça, je suis tranquille à ce niveau-là. Lui, il le maîtrise. Enfin, Rufus, il maîtriserait le gros, là. On va faire comme ça. On va y arriver. Alors dans ce cas-là, ce serait à Clio de venir directement faire le pchit, quoi. Je pourrais maîtriser les deux. Je sais pas. Et le stress, bonjour. Parce que là, il arrive, donc il va la voir, même si elle est rapide. Je vais laisser passer ce tour. Salut. Salut, ça va. Tu vas voir comme je suis souple. Voilà. Lui, il s'en va et lui, il revient. Juste avant, un petit micromètre, là. Il s'en va, non, mais si, ça y est, il s'en va maintenant. J'ai l'impression que leur spectre de vue est vachement étendu, quoi. Ça corse vraiment le truc, c'est pas cool. En fait, je pense que dès que lui, il a le dos tourné, là. Genre, now. Regardez. La voie est libre. Il faudrait que j'envoie tout le monde ici. Je laisse passer un tour parce que comme elle a la clé pour ouvrir, vous voyez. Mais je serais quand même partante pour venir chercher les sous ici parce qu'elle, elle peut passer. Ah mais attendez, il y a des trucs à faire. Elle aurait... Oh, il y a encore des sous ici.
Ah mais oui, mais en fait c'est hyper intéressant. Bah dans ce cas-là, je vais laisser passer et je vais faire qu'avec elle. Putain, le jeu il va des fois trop vite. Je suis désolée si ça vous fout un peu le. Tu vas venir. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Tourne dos, tourne dos. Il faut faire gaffe aussi. Ok. Tu prends les sous. Tu prends là. Fait, c'est en plus hyper rapide. Ah ouais, elle est souple, hein, la vache! Ah, fais ça. C'est toujours bon à prendre. Ça nous a. Alors qu'on était là, en fait. Putain, mais en fait, c'est vrai. Attendez. C'était une entrée possible. Non? Non, je l'ai vu. Je l'avais regardé. Parce qu'on est arrivé. Nous, on est arrivé ici. Ah, on a quasiment fait le tour du truc déjà. Ça. Mais là, tu vas pouvoir repasser ici. Là, il y a quelque chose à faire. Il y a un truc de caméra. Non, là. On est tranquille. Si on est bien. Ce qui est cool, c'est qu'elle attend. Je pensais qu'elle descendrait automatiquement, mais non. Elle attend, donc. Bam! Oh là là! Quelle souplesse, mademoiselle! Là, il s'en va. Je vais le laisser le temps de repartir. Ok, je peux passer par là. Passe pas n'importe quoi. Tu passes là, tu vas là. Ouais. C'est time on... no never, hein, j'ai envie de dire. Donc, go. Tout le monde a tourné. Elle tourne dos, donc. Et tu rentres tout de suite dès que tu ouvres la porte. Ce serait cool. Fonctionne pour l'instant. Et là, tu es caméra, tu peux tout désactiver. Et en fait, ça va désactiver. Il faut aller là. Ça, c'est juste fermé. Il n'y a personne qui passe, donc c'est nickel. Pour l'instant, les autres, je les laisse où ils sont. Je suis pas sûre que c'est indispensable que je les amène tous, hein. Il y a encore une clé à choper ici. Là, tu peux aller là. Il y a un truc boa constrictor aussi. Non, mais c'est trop bien. Elle est trop bien, cette nana. Alors. Et on arrive là. Ici, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Il y a le fameux truc là, là. Ah ouais. Désactive temporairement les systèmes. Oh, mais c'est pas dans cette pièce-là. Toute façon, il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est ça en fait qu'il disait au début, pour accéder ici, il faut qu'il y ait deux personnes. Putain. Et lui, et le garde d'élite, on peut pas le maîtriser. Super! Alors, bah, ça va être un peu plus compliqué parce que du coup, j'y suis arrivée sans difficulté jusqu'ici, ce qui est déjà pas mal. Et le problème, c'est comment régler les derniers problèmes. Parce que même si elle vient ici, on peut rentrer là. Là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a un truc. Il y a encore des caméras. Je pourrais désactiver les caméras facilement ici, ce qui est pas négligeable. Ici, il y a un pied de biche à venir choper. Ok, mais t'es où? Parce que là, si je me perds, faut juste que lui, il la voit pas. Là, il y a une juste porte fermée. D'accord.
Mais là, il faudrait. Alors qu'ici, il n'y a qu'un seul garde, donc dès qu'il a le dos tourné. Parce qu'ici, tu veux sortir, il faudrait que tu aies une. Un pied de biche! Et on peut pas les enfermer, eux. Dans le cou- ils sont pas dans, ils vont pas dans des pièces, en fait. Ils restent dans les couloirs, donc c'est un peu chiant. Je les aurais bien enfermés quelque part, mais je peux pas. Ok, la sortie, là. Mais ça m'intéresserait bien de prendre la porte, enfin la clé. Tu vas grimper là-dedans. Et dès qu'il a le dos tourné, plus dans ce sens-là, il y a plus de temps, tu viendras là. Et on ira au moins désactiver ce qu'on peut désactiver. Ici, c'est pour avoir le pied de biche. Ah ouais, ça aurait été cool. Il y a un truc de ventilation, enfin d'aération ici. Là où on était au début. Je pourrais y retourner, hein. Peut-être. Ouais, ça, on est arrivé par là, nous. Elle n'est pas si loin. Attendez, elle est où? Elle est là. Elle n'est pas si loin. Hein. Donc objectif, ça. Bon, allez. Ça a activé ça, du coup, ouais, ouais. C'est soit les lasers, soit... Après, on a l'Obcomit avec nous, donc... du coup, tu peux aller là. Tu peux venir jusqu'ici. C'est comme on a l'Obcomit avec nous, il peut désactiver le machin par terre. Donc ça va. Ça, c'est bon pour les caméras qui étaient là-bas, même si on n'en a pas besoin d'y retourner. En tout cas, je ne sais pas. Pour l'instant, non, mais peut-être que j'aurai besoin quand même après. Parce que pour activer les petits machins là, il va peut-être falloir. Donc, alors, je me serais bien pris la clé, le pied de biche. Ouais, j'ai pas pris assez de trucs. J'ai qu'un chalumeau qu'elle a, elle, et je suis pas sûre qu'on puisse ouvrir les portes avec. Ah si. On peut ouvrir avec un chalumeau les portes. D'accord. Vous allez voir comme je suis. Ouais, bah ça, on l'a vu que t'étais souple, ma belle. J'adore la musique de ce jeu, mais alors. En fait, c'est toujours la même, c'est toujours les mêmes morceaux, mais je les trouve hyper cool. Donc, tu vas revenir là, tranquillou. Et maintenant. Et maintenant, et vous êtes toujours là. Ouais. Bon, j'ai quand même bien avancé, je trouve. Là, il y a un truc caméra. Je vais juste regarder, là, on a encore des caméras, ici. Avec une clé. Clé de porte de sécurité. Ok. Ça serait intéressant d'y aller. Ah, j'ai désactivé ça ici. C'est intelligent, ça, dis-moi. avec notre intervenant de caméra. Et ça, ça ouvre. Ah, pardon. Il faudrait que je réfléchisse parce que... On n'est pas du tout prêt. On est là. On pourrait... lui, on peut le maîtriser. Et on accéderait ici. Ah. Il n'y a rien à se procurer de facile. De toute façon, là, je suis obligée de... Porte d'acier. Et j'ai plus les clés de porte d'acier. De toute façon, il y a les caméras, donc je suis obligée de les défaire. C'est ici, les caméras. Ah, c'est plus compliqué que je ne pensais, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même plus compliqué que je ne pensais. Il faudrait
Ah bah attendez, elle est là, elle. Il y a moyen qu'on vienne ici... Ouvrir là. Ouvrir la porte là. On va venir ici. Là, il y a une porte... porte de sécu. J'ai pas assez de clés. Il faut que je récupère vraiment les clés et tout. Il aurait fallu faire venir Rufus jusqu'ici, qu'on puisse... Coffre-fort et porte de sécurité. Ouais. Bon, Cocotte, je vais déjà la faire venir jusque-là. Donc, il faut attendre que lui, il fasse son tour. Surtout derrière une porte un peu vitrée, il voit quelqu'un, il réagirait pas à ça. Normal. Il voit une ombre, il dit mais non. Mais vous inquiétez pas, c'est pas un fantôme, hein. C'est juste un braqueur. Un voleur. Une voleuse sexy en collant latex rose et noir. J'aime beaucoup. Je sais pas si je peux. À mon avis, il aurait pas vu. Non, je me suis trompée. Oui. Oh. Mais non. Qu'est-ce que je fais? Hein? Ma souris, elle veut pas. Salut. Salut. Tu peux venir là. Voilà. Tu peux ouvrir là. Ah ouais, il y a des sous juste là. Bon, elle a ouvert là. Aller jusque là. Tu peux venir là. C'est bon, puis il part. Est-ce qu'il peut regarder par là ou par là quand il se tourne et... Il s'est tourné du bon côté. De toute façon, je pense qu'on aurait été tout juste, Auguste. Ok. Bon, tout ce que je peux ouvrir, désactiver, je le fais puisque c'est le jeu. Mais j'ai pas assez de trucs pour ouvrir les portes, ça c'est clair et net. J'ai des trucs pour fermer les portes, mais pas pour les ouvrir. Ah, mais j'ai encore quelqu'un où il fallait pas, moi. Ce serait dommage. Pam. Mais ce qui est chiant, c'est que lui, garde d'élite, il faut activer ce truc-là. Il n'y a que Cléo qui peut le faire, hein. Elle sera la seule assez rapide, mais par où elle peut passer? Par là? Genre quand il est par là, elle active le truc. Ben non! Par là. Il n'y a que comme ça que je vois. Hein. Parce que là, j'ai un autre garde. D'élite. Pas du scrogneugneux. Là, il y a une bouche d'aération. Ouais. Un petit feu de cheminée qui va bien. Et la clé. La clé quand même. Hein. C'est pour ça qu'ils ont mis un truc d'aération juste là. Parce qu'il y a une clé à récupérer quoi. Elle est où? Elle est là. Elle peut revenir là. Ici. Ouais, mais ça craint. Hein. J'aurais pas le temps. Hein. Même sortir. Aller là dehors, il y a moyen ou pas? Je suis pas sûre. Enfin, y a que par là, mais. Et oula. Oula! Mais c'est pas du tout où elle est. Elle est concernée par ce mec-là. Elle peut revenir là. Ah, bah j'ai rien dit! J'ai rien dit, mon capitaine! J'ai rien dit! Tu vas venir là. J'ai rien dit, mon capitaine. On va repasser, du coup. Ouais. Il y a moyen.
Est-ce qu'ils veulent la voir? Ils sont cons quand même, hein. Genre à 2 mètres de lui, la meuf elle arrive, il la voit pas quoi. Bon, bah, tu vas ressortir du coup. Tu vas venir là. Tiens, c'est bon, tu peux. La voie est libre. T'as le gros qui s'en va. Ah oui, c'est vrai que c'est. On revient avec les trois là. Et il faudrait qu'elle vienne. Du coup, qu'elle entre là, tac tac. Et on récupère la clé. Et pour ressortir, on pourrait ressortir par là. Ou pas, parce qu'il y a. On reviendrait ici. Il faudrait retourner les voir les autres qui eux sont toujours ici, derrière le camion. Mais en sécurité, parce que depuis tout à l'heure, il n'y a rien qui se passe. Ok. Ça, c'est cool. Mm-hmm. Bon, je vais récupérer la clé. Et on se dira qu'on a fini pour. For now. Alors, le problème, c'est que lui, il va juste commencer sa garde. J'ai l'impression que c'est un peu court. Mais il va regarder par là. Faudrait que tu t'arrives là assez rapidement. Non, pas par là. Ouais, j'ai peur quand même. Mais non, pas par là. De toute façon, c'est fermé, cocotte. Tu peux pas passer par là. Viens là. Sans le temps que... Ouais, il a un temps de garde assez court quand même. Lui, il est long, il... c'est bien. Ok, là, elle est en sécurité ici. Ah, il y a que quand lui, il peut éventuellement la voir quand même. Ok. Voilà. Ok, chope la clé. Oui. Bravo moi-même, j'ai trouvé la clé. Alors, c'est une clé de quoi déjà? Porte d'acier. Et c'est les plus compliqués à casser. Donc voilà. Porte d'acier. C'est genre celle-là. Donc on pourra ouvrir cette porte-là. Pour accéder à ce bitonio. Si c'est pas merveilleux, c'est un des enfants qui ont été mathématiques. Alors, il faudrait qu'elle s'en échappe de là maintenant. Soit on refait un tour en arrière, mais là on a ce garde-là. Parce que ici, c'est celui-ci. Qui ne la verra pas, de toute façon. Est-ce qu'il y aurait un trésor à choper dans le coin, non? Et à partir de là... Elle peut les rejoindre... Je vais refaire par là d'où on vient. Ça me paraît un peu plus... bien. Il n'y a pas une bouche d'aération dans cette pièce. Non. Elle vient là. Il y en a, ma jolie blonde. Vas-y. Je sais pas si elle... Ah merde! J'ai eu peur, j'ai fait un de ces bons! Ouais. Non, va te planquer dans le... Ah non. J'ai fait un de ces bons, la vache! Elle, c'est pas grave, elle peut se planquer là-dedans. Et personne la verra. En place. Voilà. Bon, j'ai quand même merdé. Ouais, il fallait bien que je commence à merder. Bon, moi je vais vous laisser là pour cet épisode. C'est pas mal. On a encore pas mal de taf pour accéder à la... Eh bien, à l'ascenseur. Je pense qu'il faudra que je bloque... Avec peut-être avec le mannequin écho, attirer un garde quelque part pour l'enfermer. Je pense. Je sais pas encore trop comment je vais m'y prendre. Mais après, maîtriser là, et après, il faudra activer ça et activer ça. D'ailleurs, elle pourrait très bien rester dans le bitonio en attendant d'activer ce truc-là. Mais après, il faudrait qu'elle fasse ce tour-là. C'est pas infaisable. Si on a maîtrisé lui,
ce serait pas infaisable. Allez, moi je vais réfléchir là-dessus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous et bah voilà, abonnez-vous, mettez des commentaires, des pouces bleus, des pouces rouges, je m'en fiche. Allez, des bisous, ciao.